Vous êtes nombreux à me demander à quand le CSP IRG revient sur IRG. Eh bien, vous savez quoi, on se lance le solo d'Emergency 4. C'est parti. Ah, ça fait du bien de revenir sur Emergency, les amis. Bon, qu'est-ce qui se passe sur cette situation? On a une grue qui s'est effondrée tout simplement sur un clocher d'église. Malheureusement, l'échafaudage s'est cassé la gueule et donc on a des gens en dessous. Et donc là déjà, il va falloir un petit peu sécuriser le secteur. C'est un peu le minimum. Et donc du coup, on envoie directement la police nationale sur le secteur. On va également envoyer un VLM, tout simplement également pour prendre en charge les victimes. Il va nous falloir deux VSAV, si tout se passe bien, j'ai envie de dire, voilà, qu'on va coller par là. Et il va nous falloir deux FPT. Alors pourquoi deux FPT? Je pourrais prendre autre chose que deux FPT, mais je vais prendre la simplicité. Donc FPT, hop, il m'en faut deux. Donc un qui va me servir à éteindre potentiellement l'incendie. Le deuxième va servir tout simplement à la prise en charge victimes pour l'évacuation du site. Voilà, tout simplement. Allez, on commence à faire les déviations. Voilà. Hop, tout simplement. Hop, là, on va sortir les médecins. On va engager surtout ce véhicule. Voilà, déjà. Et on va placer le second par ici. Voilà, impeccable. Ici, on va faire sortir tous les agents de police pour commencer à barrer la route, bien évidemment, à faire une zone de quarantaine, hein, tout simplement. Hop, voilà, on va faire ça très rapide. Parce qu'on veut pas que des civils arrivent dans le secteur, ça serait vraiment débile. Et on va commencer à sécuriser un peu toute la zone. Donc là, il n'y a pas grand monde, donc on a l'avantage. Qu'est-ce qu'il y a ? Et on va demander à un policier d'interroger le monsieur qui a appelé tout le monde, qui est ici. Hop. Je suis déjà en route. C'est comme si c'était fait. Alors, la charpente du clocher n'a pas l'air bien stable, pourvu que ça tienne. Donc là, l'information, elle est simple. Vous le savez, dans l'Emergency, il faut intervenir vraiment le plus rapidement possible, un petit peu sur tous les éléments, et surtout ne jamais rien laisser traîner. Puisqu'à chaque fois qu'on laisse traîner quelque chose, en général, ça se finit plutôt mal. Voilà. À pas se mentir. Hop. Allez. Ok. Hop. On sécurise un petit peu tout le monde. Voilà, tac, on vous met là. Tac, monsieur, vous allez suivre tout le monde. Hop. Et là, je pense qu'on est pas mal sur l'intervention. On va prendre la petite vieille là, tranquillou. Et on va prendre surtout toi qui a une lance à incendie. Hop, on va ramener les médecins ici sur ce secteur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis déjà en route. Et il va me falloir deux pompiers. Oui, très bien. Je suis déjà en route. Oui, bien. Parfait. Pour commencer. Je suis déjà en route. Qu'est-ce qu'il y a ? À déjà éteindre cet incendie potentiel. Je le sens juste, voilà. Hein, J'écoute. J'ai juste pas envie que ça prenne. Il y a des planches à côté, des arbres. Pour libérer le blessé. J'écoute. Là, ton sapeur-pompier devrait se faire attirer. Allez, on évacue la première victime. Et toi, tu recules du coup. Si jamais quelque chose tombe, au moins on est carré. Ensuite, reste quand même ici, on sait pas ce qui peut se passer. Première victime au sol. J'écoute. Attention, je suis déjà en rodage à l'air instable. Prudence, on dirait qu'un morceau va s'en détacher. Ok, très bien. C'est comme si c'était fait. Et du coup, on peut ramener la deuxième ici, proche de nos médecins. Un des deux va les prendre en charge. Voilà, donc ça, on a bien fait virer en fait tout simplement les gens qui avaient en dessous, qui étaient vraiment pas en safe zone. Parfait.
Et le SAMU gère ça. On va faire sortir. Ouais, ceux-là, voilà. Les brancardiers. Parfait. Et du coup l'intervention commence à se terminer. On va juste rentrer nos pompiers du coup. Alors petite intervention pour le coup, c'est la première. Faut se remettre un petit peu en jambe, j'ai envie de vous dire. Mais du coup on s'organise, on reprend un peu la main. Déjà au travail. Oui, à vos ordres. Hop. Je suis en route. Tac, tac. Impeccable. Retour du coup. Pour cette unité incendie, là on voit que la victime est transportable ici et ici, c'est impeccable. On va pouvoir du coup la transférer rapidement. Ici il nous manque un pompier. Hop, voilà, impeccable. Et c'est chargé, on peut faire le retour. Alors vous allez me dire qu'en fait certaines fonctions ne sont pas tout simplement activées. Alors notamment les retours casernes. Voilà, tout ce qui est à base de script en fait je fais attention. Genre transfert CHU, retour caserne, je ne clique pas. Puisque sinon ça peut engendrer des plantages. Surtout en solo, le jeu n'a pas été spécialement encore pensé pour ça. On va y venir. Voilà, je vais le remonter tout simplement... au codeur pour qu'il puisse prendre en charge le truc. Là on voit malheureusement que l'état de la victime est redescendu, donc elle ne peut pas être prise en charge. Il faut que sa barre de vie soit full. Ok, donc normalement là c'est réglé. C'est bueno. C'est comme si c'était fait. Oui. Parfait. On engage le retour. Et on va pouvoir remettre la zone tout simplement au civil. Je n'aurais pas fait mieux. C'est un résultat excellent qui parle de lui-même. Si vous vous maintenez à ce niveau, les prochaines interventions ne vous poseront aucun problème. Ah, c'est pas comme si on avait fait tous les Emergency quasiment, hein, j'ai envie de dire. Bon, les amis, merci d'avoir maté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, la suite arrive très rapidement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Max pouce bleu, bien évidemment, et je vous dis à très vite, abonnez-vous, ciao.